David avait dit en ce jour, quiconque battra le Jebusien et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans des mille eaux. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Ok, en aimant, nous avons dit ceci. David est devenu roi. Avant de devenir roi, il était berger, il était chantre, il était serviteur de l'Éternel. Mais Dieu l'a fait roi. Comme tout roi doit avoir un lieu de la résidence, je ne vais pas me répéter sur tout ce que je dis parce que, comme je vous ai promis qu'aujourd'hui je vais enseigner,
quelques minutes, bien que nous sommes dans la prière. Alors David cherchait un lieu où placer son trône, un lieu où placer son royaume. En un mot, nous avons compris que ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit seulement pour notre instruction. C'est-à-dire, le vrai David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était déjà loin depuis l'éternité. Il est roi avant que le monde existe. Mais il cherchait un lieu où placer son trône, pour placer son royaume. Et le lieu qu'il a choisi, c'était Sion. J'aimerais que vous me suivez aujourd'hui avec beaucoup d'attention parce que je veux plus enseigner. Le lieu qu'il a choisi, c'était Sion. Sion devait être la résidence. L'évangéliste reprend ce verset depuis Psaume chapitre 132. Reprend ce verset. Depuis Psaume chapitre 132. Psaume 132. Commencez par le verset 12. Au deuxième verset. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. Verset 14, 15. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indigents. Très bien. Ça dit, Sion, c'était la demeure. C'était le lieu du repos. C'était un lieu où Dieu avait choisi pour bénir. Mais bien que Sion était dans le plan de Dieu, était choisi par le Seigneur, il a fallu que un homme vienne pour accomplir le plan. Je vais attirer votre attention avant de commencer l'enseignement. Parce qu'il y a un point où nous sommes plus distraits. Les choix, la grâce, l'appel de Dieu. Il n'y a pas une condition pour que Dieu appelle quelqu'un. Il n'y a pas une condition parce que Dieu appelle qu'il veut. Il fait grâce à qui il veut. Et le choix de Dieu ne dépend pas de l'effort de l'homme. Mais entre le choix, entre l'appel et la manifestation, il y a tout un travail que nous ignorons. J'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention. C'est vrai, Dieu avait un plan pour Sion. Il avait la pensée pour Sion. Mais ces plans ne peuvent pas s'accomplir comme ça, sans que Dieu fasse un travail. Raison pour laquelle nous avons vu Dieu à travers son serviteur David. Je vais donner un pourquoi là. À travers David, David est devenu roi. J'expliquerai ça le jeudi. Tous les contours que j'ai fait le dimanche là. Je reviendrai le jeudi pour vous donner le pourquoi. Mais aujourd'hui, je vais enseigner un peu Sion. David devient roi. Il voit un lieu Sion. En tout cas, j'avais plus besoin du tableau aujourd'hui. Il choisit un lieu Sion pour placer sa demeure. Pour que Sion devienne sa capitale, sa résidence. En un mot, nous avons dit le vrai David, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est roi. Mais le lieu qu'il a choisi, Sion qu'il a choisi, c'est nous. Un frère m'a posé la question, frère Jérémie m'a posé la question. Le dimanche, prophète Jean-Louis, quand vous dites que David est devenu roi, mais en sortant d'Israël, il est sorti avec toute la royauté. C'était une très belle question. Et quand Christ est venu, il a récupéré la royauté. Mais il a combattu comment? Comment David, bien qu'il est devenu roi, mais il n'a pas accepté d'aller combattre comme roi. J'ai dit à David, j'ai répondu ceci à Jérémie, ça ce sont les ABC que nous vous avons déjà enseignés, que Jésus-Christ
ne pouvait pas combattre comme roi. Bien qu'il avait la tenue, mais il devait enlever sa combattre comme serviteur, afin qu'à la fin, sa royauté soit récupérée. C'est ce que David a fait. Bien qu'il est roi, mais ce combat-là, c'était le combat du pasteur. Parce qu'il a fallu que le pasteur aille pour délivrer le troupeau. Or, le pasteur ne combattra pas comme le roi. Il a enlevé sa tunique royale. C'est-à-dire, du roi qu'il était, du fort qu'il était, il s'est fait faible pour nous racheter. Et après cela, il va récupérer sa royauté. Alors, si j'avais besoin du tableau, c'est pour vous donner l'idée du Sion, pour que ça reste un pays. Pour que vous compreniez réellement Sion, avec tous ses contours, avec tous ses mouvements, parce que j'ai des choses à dire aujourd'hui et des choses très importantes. Alors, David a aimé Sion, mais quand il partait pour Sion, il a rencontré l'obstacle. Je dois vous rappeler une chose. Aujourd'hui, peut-être, je ne veux plus rester là-dedans. Dans nous, c'est ce que je veux plus prêcher aujourd'hui, après l'enseignement. Dans nous, il y a des obstacles qui empêchent Dieu de réaliser ses plans, ses promesses dans nos vies. Et le message d'aujourd'hui, c'est pour que chacun de nous s'examine. Parce que nous avons tant de promesses. On a rêvé. Nous sommes passés par des services de prophétie, là où les prophètes ont prophétisé de grandes choses. Ils n'ont pas menti. Mais pourquoi la réalisation ne s'accomplit pas? C'est parce que il y a des obstacles dans nous qui nous empêchent de réaliser réellement le royaume. Il a aimé Sion, mais dans Sion, il y avait l'obstacle. C'était l'aveuglement, c'était l'infirmité qui empêchait à David d'entrer dans Sion et réaliser tout ce qui était dans ses pensées. S'il vous plaît, je sais pourquoi j'insiste là. Parce qu'il y a des fois, si je suis ministre de la parole, je suis apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Il y a d'autres choses qui nous échappent. On n'a pas demandé à Dieu la permission. On n'a pas fait quelque chose pour mériter d'être ministre. C'est le choix de Dieu. Mais il y a des choses que nous devons être conscients qui restent encore dans nous que Dieu doit continuer à travailler. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui prêche bien, mais c'est un épidique. Quelqu'un qui prêche bien, mais c'est un aventurier. Quelqu'un qui prêche bien, c'est un cupide. Il y a la différence entre les choix. On n'a pas demandé à Dieu de nous choisir. Mais Dieu doit continuer le travail pour lequel il nous a choisis. Romains chapitre 8. Allons-y, évangéliste. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, commencez par le verset 28. Allons-y. Romains chapitre 8, le verset 28, nous lisons. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, ceux qui sont appelés selon son dessein. Allons-y. Car ceux qu'il a connus d'avance. Vous voyez, Dieu commence tout d'abord par connaître ce que Dieu a connu d'avance. Donc tu n'as pas cherché à connaître Dieu, mais c'est Dieu qui t'a connu d'avance. C'est comme Zachée faisait un effort de voir Jésus. Mais quand Jésus arrive là, curieusement, c'est Jésus qui voit Zachée. Donc Dieu nous a promis d'avance. Descendez. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Donc si Dieu connaît quelqu'un, il ne doit pas le laisser comme ça. Il faut qu'il fasse quelque chose pour que la personne qui est choisie, connue, soit semblable à l'image du fils. Moi, je suis contre quelqu'un qui dit qu'il est pasteur, prophète, docteur, apôtre, évangéliste. Mais quand on le voit, on ne voit pas Christ. Je dis non, non. Ça, ce n'est pas le choix de Dieu. Parce que si Dieu choisit quelqu'un, il faut qu'il fasse un travail dans sa vie. Allons-y. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oui. Et ceux qu'il a
qu'il a prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifiés, c'est-à-dire que le choix de Dieu ne s'arrête pas quelque part. Il faut que Dieu continue l'œuvre pour qu'il t'a choisi. C'est-à-dire, on ne peut pas voir quelqu'un qui dit qu'il est la résidence de Dieu, mais il reste le même. Impossible. Il faut qu'on voie Dieu se manifester dans sa vie et faire quelque chose pour prouver réellement que cette personne a été Simon qui l'a choisi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi vous allez voir dans le livre des Juges, chapitre 1er, je vous parle de beaucoup de lectures. Caleb, après avoir combattu, parce qu'il représentait la tribu de Juda, il a combattu. Cana a été reçu. Mais il y avait une partie de Cana qui n'était pas délivrée. Il cherchait qui pouvait combattre pour récupérer cette partie. Othniel est sorti. Othniel combat, il récupère la partie. Et Caleb donne à Othniel sa femme, sa fille plutôt. La fille de Caleb devient la femme d'Othniel. Qui était Othniel? C'était le frère cadet de Caleb. C'est-à-dire que quand Caleb cherchait qui est dit de combattre, la réponse était sortie toujours dans la famille de Caleb. Et qui sort? Le petit frère de Caleb. Parce que le lion était le grand frère, l'agneau était le petit frère. Et Othniel a répondu présent. C'est alors qu'il a hérité la femme. Mais Axa, suivez-moi très bien, que les gens qui me suivent partout comprennent ce langage. Axa est entrée dans les mariages. Mais elle a reconnu que là où elle était, c'était le lieu Zarite. Bien qu'elle ait choisi, bien qu'elle ait devenu la femme, mais elle reconnaissait que là où je suis, c'est le lieu Zarite. Elle retourne chez le père pour demander s'il y a possibilité qu'on lui accorde les eaux supérieures et les eaux inférieures. Oui, nous sommes entrés dans la grâce, Dieu nous a choisis. Mais nous devons être conscients du vide qui se trouve encore dans nos vies. On a besoin que Dieu, bien qu'il nous a choisis, mais qu'il continue l'œuvre pour laquelle il nous a choisis. Sinon, nous resterons des païens avec beaucoup de connaissances. Sinon, nous resterons des bons prédicateurs, mais pas la vie de Dieu. Voilà pourquoi quand David a choisi Sion, il a aimé Sion, il devait entrer. Suivez-moi. J'ai dit, j'expliquerai comment est-ce que David est entré dans Sion, parce que ça sera le service de la délivrance. Mais aujourd'hui, je montre, je vais enseigner Sion pour que vous ayez l'idée. David entre dans Sion. Quand il entre dans Sion, qu'est-ce qu'il fait? On commence. 2 Samuel, chapitre 5, verset 9. On commence l'enseignement. 2 Samuel, chapitre 5, verset 9. David s'établit dans la forteresse. Regardez. Ça, c'est Sion. Supposons que ça, ça soit Sion. Qui était clôturé, barricadé par des forteresses. Que j'expliquerai les Juifs. Mais quand David entre dans Sion, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Allez-y. Qu'il appela cité de David. Recommence ce verset. David s'établit dans la forteresse, oui, qu'il appela cité de David. Oui. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans des milots. C'est-à-dire quand David entre dans Sion, il a commencé les constructions en dehors et au dedans des milots. Ma prédication aujourd'hui, c'est là. Il a aimé Sion. Mais quand il entre dans Sion, il commence directement les constructions. Les constructions où? Dans Milo. Pourquoi les constructions dans Milo? C'est-à-dire, Sion n'était pas une belle ville, non. Sion avait des imperfections. Sion avait des vides. Mais cela n'a pas empêché Dieu de l'aimer.
Dieu m'a aimé, non parce que je l'ai mérité. Dieu m'a aimé, quelles que soient mes imperfections, quelles que soient mes manquements. Voilà pourquoi je vous ai dit, les dimanches, ne soyez pas limités par ce que les gens disent, par ce que vous, vous vous dites de vous-même, parce que vous n'êtes pas créateur de vous. Il n'y a pas une condition pour que Dieu choisisse quelqu'un. Dieu a choisi Sion, mais il a continué les constructions de Sion. Qu'est-ce qu'il a fait? Suivez-moi. David entre dans Milo. Milo, c'était quoi? Vous êtes? Oui. Milo qui a commencé les constructions. Pourquoi il a commencé la construction de Milo? Milo, là, signifie quoi? Moi, j'aime pas que les gens raisonnent sur les Écritures. Évangéliste, prenez un verset qui nous explique Milo. 1 Roi, chapitre 11, verset 27. 1 Roi, chapitre 11, verset 27. Le verset 26. Oui. Nous lisons. Allez-y. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Oui. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Ah, c'est à qui? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La brèche signifie quoi? C'est-à-dire, Sion, qui est Jérusalem, avait une brèche. Entre, quelle cité? Lisez bien, lisez. Voici à l'occasion. C'est ça. Voici à l'occasion. Il leva la main contre le roi, Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Ah, ça dit, dans Sion, vous avez la cité de David, son père. Ça dit que David, quand il est entré dans Sion, il a choisi un quartier. Ça, c'est la cité de David. Il a construit ce quartier sur la montagne de Sion. On a appelé ça Ophel. Maintenant, quand David entre dans Sion, il a placé sa demeure dans Sion, il a bâti sa cité dans Sion, il a commencé la construction de Milo. Vous allez comprendre pourquoi il a construit Milo. Et quand Salomon vient, il devient roi, il succède son père, lui aussi devait bâtir, non dans la cité de David, mais il a bâti dans une autre montagne. Ça veut dire que Sion, vous avez la montagne de Sion, et au nord, parce que Salomon ne construit pas au sud, Salomon construit au nord. Sur la montagne de Morija. Il y a combien de montagnes dans Sion maintenant? Combien de montagnes? Il y a là où David a placé son trône, c'est-à-dire la montagne de Sion. Il y a aussi Morija, là où Salomon construit. C'est qu'il y a des montagnes. Il y a la montagne de Sion. Il y a aussi la montagne de Morija. Là où Abraham avait offert Isaac, c'était à Morija. Mais David, quand il devient roi, David ne construit pas là-bas. Il laisse là pour le fils. Mais lui, le père construit ici. Alors, quand il est devenu roi, il a possédé Sion. Il a commencé directement la construction de Milo. C'est-à-dire que Milo, c'était la brèche. Et pourquoi quand Salomon est venu, lui aussi a construit Milo? C'était pour faire quoi, évangéliste? Reprends ce verset. Salomon a construit le pourquoi. Allons-y. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Oui. Salomon bâtissait Milo. Oui. Et fermait la brèche de la cité de David, son père. Oui. C'est-à-dire, bien que David est devenu roi, il a commencé la construction de Milo. Il n'avait pas achevé. Je veux que le Seigneur ouvre votre intelligence. Il a commencé, mais il n'a pas terminé. Mais qui termine la construction de Milo? C'est le fils. Finalement, nous comprenons que Sion,
c'est la ville du Père, c'est la ville du Fils. Le Père a commencé, il a récupéré, il a mis sa demeure, il a commencé la construction à Milo. On a annoncé que Milo est là qui est là, le bois, il est là qui valait. Nous avons pas besoin d'intelligence, on comprend que quand on dit qu'il me l'a donné, on a valé la carte. Oh, il faut nous en battre. À tous les pasteurs, mais encore la vallée. Alors, le problème, c'est quoi? David a attaqué directement Milo. Mais il n'a pas achevé. Il n'a pas achevé. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, toi, tu t'arrêtes ici, mais le fils qui viendra continuera le travail. Et quand Salomon vient, Salomon ne fabrique pas un autre travail. J'ai dit au prédicateur, ne fabriquez pas, continuez là où l'autre a terminé. Quand je viens pour prêcher, il faut construire là où l'apôtre presse. Quand l'autre viendra, c'est alors que l'œuvre sera achevée. C'est pas pour rien, frère Paul dit, j'ai bâti. Mais celui qui vient après moi, qu'il prenne garde de la manière qu'il bâtit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la destruction. Cela ne veut pas dire que quelqu'un vient construire, toi tu viens, tu détruis. Non. Il faut savoir faire la continuité. Et le ministère, c'est la continuité de l'œuvre de Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il était contre tous les propriétaires des églises. Il a dit, je vous ai fait entrer dans l'œuvre que vous n'avez pas commencé. Dans le travail d'autrui. Vous avez déjà dit ça? Jean chapitre 4. Il dit, n'a-t-il dit que nous sommes là? Les uns ont commencé, vous êtes entrés. Vous n'avez pas dit ça? Papa, prenez. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, je vais lire le verset. Ça doit être le verset 30. Cherchons ça rapidement. Voilà. Verset 37. Allons-y. Jean chapitre 4, le verset 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Ça veut dire que quand les pierres partent là-bas, ce n'est pas leur travail. C'est le travail d'Esaïe, de Jérémie, de Daniel. Et ce n'est pas aussi le travail d'Esaïe. Donc, si Esaïe, c'est le travail d'Osée, ce n'est pas le travail d'Osée, c'est le travail jusqu'à retourner chez Adam. Et Adam, Dieu a dit, cultive, gardez. Qu'est-ce qu'Adam avait cultivé? Parce que Dieu avait dû cultiver. En réalité, c'était le travail de Dieu lui-même. Amen. Donc, nous sommes entrés comme les ouvriers. Attention, tu peux être un bon prédicateur, mais ce n'est pas ton travail. Tu peux avoir une église de 5000 personnes, mais ben ça va diminuer. Les propriétaires de l'œuvre existent, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il faut travailler avec crainte et tremblement parce que c'est la femme d'autrui. Nous sommes entrés dans le travail d'autrui. Et Salomon ne pouvait pas faire. Je ne sais pas si je vous ai enseigné ça ici. Non. J'ai enseigné ça quelque part. Salomon devient roi. Il devient roi. Dieu lui dit, demande tout ce que tu veux, je vais te le donner. Il pouvait dire, je veux ça. Je veux. Il dit non. Tu as marché avec mon père. Pourquoi il cite le nom de son père? Parce qu'il sait que je suis la continuité. Il ne commence pas par dire, bon Dieu, donne-moi. Non, il dit, tu as marché avec ton père, avec mon père. Tu as promis. C'est-à-dire, Salomon se voit indigne de demander quelque chose. Il se réfère tout d'abord à celui que Dieu a appelé, c'était son père. Même Josué, c'était l'état d'entrée. Parce que, je ne crois pas avoir enseigné ça ici. L'état de Moïse, c'est l'état de la prédication. L'état de Josué, c'est l'entrée. C'est l'état de la possession des promesses. Moïse a enseigné Canaan, mais Josué a possédé Canaan. Jésus-Christ a enseigné la vie éternelle, mais par les saints, est-ce que nous allons posséder? Maintenant, quand bien même Josué voulait faire le travail, Dieu dit, Josué, lève-toi. Souviens-toi de mon serviteur Moïse. Entre dans Canaan. C'est-à-dire, quand nous faisons le travail, nous devons nous souvenir de la personne que Dieu a appelée. Et celui que Dieu a appelé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand Salomon est venu, il a continué l'œuvre du Père. Quelle était l'œuvre du Père?
Construire le mur évangéliste. Ce verset-là, je l'ai beaucoup aimé quand j'ai médité ça. C'était pour fermer la brèche. Il faut dire bien que David a travaillé, mais il a laissé la brèche. Amen. Mais Salomon est venu achever la brèche. J'explique ça d'une manière claire. Avant que Sion devienne une seule ville, avant que Sion devienne effectivement la résidence, le lieu du repos, là où Dieu va donner le pain, là où Dieu... Il fallait que Dieu construise. Et cette construction, c'était par David. Il a commencé par Milo. Salomon est venu par Milo. Mais pourquoi Milo? Parce que Milo, c'était une brèche. Je vais expliquer ça à un moment. Évangéliste, prenez ce verset, ça va nous aider. Cherchons un verset qui va nous aider à comprendre les pourquoi de ces choses. Prenez deuxième roi. Deuxième roi. Non, toujours premier roi, s'il vous plaît. Premier roi, chapitre 9. Premier roi, chapitre 9. Nous sommes toujours là. Premier roi, chapitre 9, verset 24. Allons-y. 24 jusqu'à 25. Allons-y. La fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit Milo. Attends. Ça m'appelle Sabine l'intelligence. Que le Seigneur vous accorde l'intelligence. Amen. Que le Seigneur vous accorde l'intelligence. Évangéliste, assez. Quand Salomon construit Milo, c'était à ce temps-là qui s'est révolté à Salomon? Jéroboam. C'était à ce temps-là que la révolte a été manifestée. En le temps de la révolte, c'est le temps où la femme montait. Je vais expliquer ça d'une manière terre à terre et très simple. Pour la pambolus. Amen. Je recommence. David entre dans Sion. Il établit sa demeure. Il commence la construction de Milo. C'est-à-dire, vous avez une montagne ici, l'autre là-bas. Entre les deux montagnes, il y a la vallée, n'est-ce pas? Donc, si vous quittez la montagne, là où il y a David, pour atteindre la montagne où Salomon a construit, il y a la vallée. Donc, vous ne pouvez pas quitter la montagne directement, il faut passer par la vallée. Maintenant, cette vallée ici s'appelait Milo. Quand David est devenu roi, il a commencé la construction. Qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait, mais David n'a pas terminé. Salomon est devenu roi. Il a commencé à faire quoi, évangéliste? Il a fermé la brèche. Vous voyez? Et pour ça, à Salike, bon, quand on ferme la brèche, ça dit quoi? Cette montagne, celle-ci devient un, n'est-ce pas? Donc, pour quitter cette montagne, aller là-bas, il n'y a plus de vide. Vous pouvez marcher directement parce que Milo est construite. Maintenant, le texte dit, pendant qu'on construisait Milo, c'était à ce temps-là que la fille de Pharaon quitta la maison, quitta la cité de David pour monter là où Salomon avait construit sa maison. C'est-à-dire quoi? Quand elle est entrée dans le palais royal, Salomon construisait. Donc, Salomon il ne l'a pas amené dans sa maison. Pourquoi? Parce que là-bas, il construisait la maison pour cette fille. Il a laissé la fille ici. Or, la fille de Pharaon ne peut pas monter là-bas. Pourquoi? Il y a la vallée. Maintenant, quand il a fini de construire, il descend, il prend cette fille. Pour monter, il a ramblé, il a comblé ses vides et la fille montait sans problème. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a choisis. Il nous a laissés où? Sur la terre. Lui est parti où?
au ciel. Il construit la maison pour nous, n'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore descendu. Qu'est-ce que nous attendons? Quand il va finir de construire, il viendra, il va combler ses vides ici. Or, l'enlèvement de l'église signifie que le ciel et la terre deviennent un, là où nous allons monter. Donc, jusqu'aujourd'hui, encore le vide. Je vais regarder le ciel comme ça. Il y a encore le vide. Pourquoi? Parce que Salomon n'a pas encore achevé son travail. Voilà pourquoi Frère Paul dit, demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Mais nous sommes déjà sauvés, mais nous nous sentons encore loin du Seigneur parce qu'on n'a pas encore terminé l'œuvre de Milo. David a commencé, mais Salomon va terminer. Quand Salomon va terminer, c'est alors que l'œuvre s'achèvera. Et désormais, on ne parlera plus des montagnes de Sion, des montagnes de Morija, on parlera seulement d'une seule montagne, parce que Dieu a rassemblé les deux quartiers dans un seul quartier. Donc, Jérusalem, en réalité, Sion, bien que David l'a aimé, bien que David l'a choisi, mais il y a encore le vide. Attendez, suivez. Le Père construit ici. Salomon monte là-bas, il construit. Salomon construit quoi? Un, il construit le temple. Deux, il construit son palais. Trois, il construit la maison de Liban. Et dans la maison de Liban, il y a deux portiques au centre. Il y a le portique des colonnes. Il y a le portique de jugement. Et enfin, Salomon construit la maison des filles de Pharaon. Il a construit ça où? Salomon a construit ça où? Là-bas au sommet. Est-ce que vous me comprenez? Le père a construit ici en bas, dans l'autre quartier. En bas. Vérifions peut-être que quand je parle de quartier, les gens vont dire que en fait, Jean vous dit. Vous réfléchissez sur les Écritures. Je vais chercher un verset qui va nous aider à comprendre qu'est-ce que nous voulons vraiment dire sur les quartiers. Ça doit être dans Sophonie. Je cherche ça. Papa, prenez Sophonie. Prenez Sophonie chapitre 1er, verset 10. Sophonie chapitre 1, verset 10. Sophonie, chapitre 1, verset 10. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons. Oui. Des lamentations. Vous comptez dans l'autre quartier de la ville. Vous comptez la porte des poissons? Oh, notez à mon ordinateur. Donc, suivez. Regardez ici. Jérusalem. Jérusalem, parce que Sion-là, c'est Jérusalem. Avec 12 portiques. Maintenant, ici, au nord. Il y avait un portique de brebis et un portique de poissons. Là, on faisait le commerce. Parce que si vous voulez entrer dans Jérusalem, vous n'allez pas entrer comme ça. Il faut entrer soit par la porte des brebis, soit par la porte des poissons, soit par la portique des chevaux, des fumiers, parce qu'il y avait des portiques partout. Et nous disons que si le Seigneur Jésus-Christ est celui la véritable ville, vous ne pouvez pas entrer par lui sans passer par l'enseignement des 12. Parce que ce sont les portiques qui nous permettent d'entrer dans la parole. Alors maintenant, les portiques des poissons, parce que quand vous entrez par portique des brebis, il y a portique des poissons. Portique des brebis, portique des poissons. C'était comme ça. Et avant que Jonas devienne poisson, il a fallu qu'il soit sacrifice brebis. Parce que poisson, c'est là où il y a... Qui Sophonie 10. Lisez. Sophonie 1:10. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. C'est-à-dire que là, il parle des quartiers. Jérusalem avait deux quartiers. Il y a le quartier nord, c'est-à-dire là où il y a Salomon qui a bâti le temple, palais, Liban, maison, palais de Pharaon. Et cite là où il y a le quartier de David. Est-ce que vous avez compris? Dans la vie que le Lord a enseigné, vous voyez, il a enseigné, je vous donne la connaissance des cieux. Alors maintenant,
Là où Salomon a construit, il a construit le temple. Toutes les constructions de Salomon ont fait combien d'années? 20 ans. Il termine les constructions, dira 20 ans. Parce que le temple devait durer 7 ans. Jacob, chez Laban, a travaillé 7 ans plus 13 ans, ça fait 20. L'œuvre est accomplie et c'est légitimé. Alors maintenant, Salomon construit le temple et après 7 ans, il construit les palais, maison de Liban, les forêts de Liban et les palais de Pharaon. Donc, je n'ai pas encore enseigné ça ici. Alors maintenant, quand Salomon termine les palais ici de la fille de Pharaon, il descend maintenant pour prendre la fille de Pharaon. Pendant qu'il faisait ses constructions, où était sa femme? Ici, dans la cité de David. Est-ce que ça me comprend? Est-ce que nous avons dit 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 que nous avons nous attendons quoi? Quand il reviendra, c'est-à-dire qu'il a fini l'œuvre. Il a fini de construire le temple, le palais, Liban, Pharaon, pour que quand nous allons monter, qu'on ne manque pas de place. Papa, qu'est-ce qu'il avait dit? Il y a plusieurs demeures. Parce que le temple, c'est une demeure, le palais, c'est une demeure, le Liban. Mais là où je serai, pour que vous soyez aussi. Parce qu'il y a plusieurs demeures, mais il faudrait qu'il descende, nous prendre, nous ramener là où il sera. Alors, Salomon a construit ses palais, ses temples. Vous voulez le pourquoi? Vous voulez le pourquoi, n'est-ce pas? Oui. Quand il finit, il descend. J'explique tout d'abord 1000. Et si vous voulez le pourquoi, je vais le donner. Maintenant, quand il termine la construction de la fille de Pharaon, il descend la prendre. Pendant ce temps-là, on construisait 1000 pour que la brèche ne soit plus. Mes bien-aimés, je veux vous dire, si vous comprenez ce message, vous êtes les bien-aimés, parce que Christ qui a aimé Sion, l'a aimé avec un projet. Qui savait que Sion, quand Dieu dit que Sion sera ma demeure, c'est qu'il y a le temple. Parce que Dieu ne peut pas aimer Sion et laisser ça comme ça. C'est qu'il y a des choses qu'il a préparées pour Sion. Si je suis Sion, je marche à pied, je me souviens de ce que Dieu a dit sur moi, je ne vais pas me décourager. Parce que si je vois rien aujourd'hui, c'est qu'il continue à construire. Il continue à crier. Bien que je ne vois rien, mais la construction continue. Et quand Dieu construit, il construit parfois dans la vallée. Et quand Dieu construit nos vies, il nous construit dans les lieux silencieux, dans les lieux obscurs, là où personne ne peut voir. Écoutez-moi, Dieu construit la royauté dans le lieu secret. Bien que David ait choisi roi, mais Dieu devait construire la royauté dans lui. Et cette construction, il devait affronter les lions, ours, Goliath, les ingénieurs, pour qu'il soit fort demain. David ne veut pas dire que, ne peut pas dire que, mais Dieu, toi, tu m'as choisi comme roi. Pourquoi j'affronte le lion? Non, c'est le chemin. C'est la construction. Il faut que Dieu nous construise pour nous présenter au monde. Il faut que Dieu nous construise pour accomplir ce qu'il a promis dans nous. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu l'appel de Dieu, mais qui ne sont pas construits. Voilà pourquoi devant une résistance, ils tombent. Devant un vent, il tombe. Devant une tempête, il tombe. Parce qu'il n'est pas construit. Joseph a été construit dans l'injustice. Il a été construit par la haine. Donc, Dieu doit continuer la construction pour que nous soyons capables de refléter sa gloire sur cette terre. Parfois, nous nous comparons aux autres. Parfois, nous voulons être comme les grands. Mais il y a le chemin de la gloire. Vous voulez que tout le monde parle de vous? Il faut accepter l'humiliation. Il faut accepter l'injure. Il faut accepter la compréhension. Il faut accepter tout. On ne te connaît pas encore. Supportez-moi. Moi, j'avais un problème. Je ne le dis pas parce que c'est le lieu public. Je faisais l'Angola, j'entrais, sortais. Mais un jour, je sortais comme ça, on m'appelait le prophète Jean. J'ai tout laissé. Les documents des Angolais, j'ai laissé. Pourquoi? Parce que
les gens me suivaient à la télévision. Quand toi tu parles, oh, pasteur, Jean, non, ça c'est le prophète Charles. C'est-à-dire, si vous voulez que les gens, que Dieu vous élève, acceptez toutes les étapes dans votre vie. Mais nous voulons plus la gloire, nous voulons plus être élevés, nous voulons plus, mais il y a les étapes, il faut que Dieu construise, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais Salomon qui a construit les temples, palais, Liban, Pharaon, mais il y avait toujours la brèche. Tu prêches bien, tu es apôtre, prophète, pasteur, tu es qui? Ancien diacre, oui. Mais il faut reconnaître que Dieu doit continuer la construction. Avoir la grâce, les dons ne signifie pas que tout est fini dans toi. Parce qu'aujourd'hui, si on veut reprocher quelqu'un, je suis ministre. Oh, on te reproche pas comme ministre, mais on te reproche comme fils de Dieu. Quelqu'un a dit, bon, celui qui entre dans le ministère, même s'il fait du mal, il reste le pasteur. Non, c'est nous. Nous avons le bout à Dieu s'est repenti. Attends, Saoul va checker ma voix, mais il s'est repenti. Il y a d'autres versets évangélistes, nous pouvons l'interpréter, mais il faut réaliser. Nous interprétons Moïse, Avikana, il a pleuré. Souvent, nous comptons la carte à Moïse. À mon de Nakana, il a dit que c'est un peu de temps. Nous avons dit que c'est un peu de temps. Au nom de la parole, au nom du ministère, et au nom de tout. Non. Dieu doit construire. Nous sommes sauvés? Oui. Nous avons eu la grâce? Oui. Mais chacun de nous doit reconnaître le vide qui est dans son cœur. Deuxième Corinthiens chapitre 4, verset 6. Dieu qui a dit que la lumière brillera du ciel du ténèbre a fait briller la lumière dans nos cœurs. Le cœur de l'homme, c'est l'abîme, c'est les ténèbres. Bien que nous sommes sauvés, mais il y a encore le travail que Dieu doit faire dans nos cœurs. Oh, le vrai homme, ce n'est pas ce que vous voyez. Je peux dire, docteur, en tout cas, nous, tout cas, nous a bien, mais dans le cœur, je dis, il fallait y en aller mal. Je peux dire, à votre place, là, tu viens de la montée, ma croix, une réalité. C'est ça le cœur de l'homme. Il faut être conscient de cet abîme. Beaucoup de gens se disent, en tout cas, il n'a pas mis en cas, mais la montée, ma lombard. Mais c'est ça le cœur de l'homme. Que le Seigneur. Amen. Tu es élevé? Oui, les gens, en tout cas, ils en ont comme boulot, un nouveau bout, mais dans le cœur, tu ne sais pas. Qu'est-ce que les gens disent? Tu ne sais pas. Et on a été toujours surpris quand on apprend que la personne à qui tu faisais confiance a parlé de toi. C'est parce qu'on ne comprend pas réellement le cœur des hommes. Mais je suis venu vous enseigner. On a besoin que la parole de Dieu répare nos cœurs. Parce que le cœur de l'homme, c'est le vide. C'est ce qui nous empêche de monter et de toucher la gloire du Seigneur dans nos vies. Trop de troubles, de divisions, la haine. Pourquoi? Parce que le cœur. J'ai vu un pasteur. Pasteur Moko, moi, l'année à Koufi. Là, je ne plaisante pas. L'autre appelle, mes condoléances, pasteur Anassi. Après ça, mais qu'on ne reste pas tu la même moi, la même. Donc, c'est ça le cœur de l'homme. Donc, tu ne peux rien faire. Il faut que le cœur soit réparé. Bien que nous sommes sauvés, mais il y a encore des vides. On supporte difficilement l'élévation des autres. On supporte difficilement que Dieu fasse quelque chose. Parce que l'homme veut que Dieu fasse. Parce que, il faut amener la vérité. Nous avons vu des gens comme ça. Ah, tiens, la monnaie poison, quoi, t'es à la pied. Ah, j'ai vu des gens comme ça. Quand vous prêchez, les gens disent Amen, merci. Pourquoi ils vont dire Amen, vous voyez ça, on va monter ma passe. Mais c'est ça le cœur de l'homme, même dans les églises. Oui, nous sommes sauvés. Amen. Nous avons reçu la grâce. Oui. Dieu nous a choisis, oui. Mais il y a encore des milots qui doivent construire. Si pas cela,
la terre ne sera jamais rassemblée au ciel. Parce que ça, c'est le ciel, ça, c'est la terre. Entrez dans les cœurs, vous allez voir. Voilà pourquoi si quelqu'un parle mal de moi, si quelqu'un me critique, si quelqu'un fait quoi que je peux faire, ça ne dit absolument rien parce que c'est ça le cœur de moi. Même Dieu s'est réparti d'avoir créé l'homme. L'évangile de Dieu s'est réparti d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Pour son cœur. Bon, moi, yo. Yo, qui l'a montré. Mes amis. T'entends à moi. L'évangile s'est prêté. Prenez jeunesse. Cherchons ça. Il y en a nombreux, mais on lit. Nous allons prendre Genèse chapitre 9. Je vais chercher ça rapidement pour que vous ayez la précision. Ma Bible est ici. Papa, prenez Genèse 6, verset 5. Genèse 6, le verset 5. Et jusqu'au 6e verset. Allons-y. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur s'éportaient chaque jour uniquement vers le mal. Mm-hmm. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Vous voyez, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que vous voyez que le cœur de l'homme était toujours vers le mal. C'est bon, yo, pour le moment, changez mon thème. Allez, vous changez mon thème à vous tout. À pas en Zambie, yo, sans de la rate. Ah, voilà, amen, ça, amen. Ça dit, Dieu doit construire Milo. Ici, je parle de Milo comme le vide. Il nous a sauvés, oui. Mais pourquoi il est allé choisir la forteresse de Milo? J'expliquerai la forteresse là, j'ai dit. Parce que j'explique Sion comme l'homme que Dieu a aimé. Il a des pensées. Je ne sais pas si vous voyez ça. David est venu s'asseoir là. Qui est David? C'est le père. Hein? C'est le père. Hein? Et le fils aussi. Qui est Salomon? C'est le fils. Hein? C'est-à-dire le père et le fils viennent habiter dans Sion. Jean chapitre 14. Prenez le verset 23, rapidement. Jean 14, le verset 23. Juste au verset 15 verset. Jésus leur répond. Oui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Hein? Et mon Père le mènera. Hein? Nous viendrons à lui. Moi et le Père, nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Donc Sion ne peut pas devenir l'habitation de Dieu si Sion n'accepte pas le Père, n'accepte pas le Fils. Amen. Oh, le Père a un travail. Le fils vient achever ce que le père avait commencé. Le père David a construit Sion, il place sa demeure. Le fils vient construire son temple, palais, Liban. Ça, il dit qu'à vous, ça va bien être né. Il peut être temps de l'entrer à bien en ressources. Vous savez, il y a la différence entre le temple et le palais et la maison de Liban, parce que la maison de Liban, il y avait des colonnes. Il y avait les portiques des colonnes. Il y avait les portiques des jugements. C'est-à-dire qu'un Salomon, vous êtes? Oh, un Salomon, s'il entre dans le temple, il est qui? Sacrificateur. S'il entre dans le palais, il est qui? Il est roi. S'il entre dans la maison de Liban, il est juge. Parce que ici, dans la maison de forêt de Liban, il y a des portiques. Il y a des portiques de colonnes. Il y a des portiques de jugement. Là où il devait rendre le jugement pour les nations et pour Israël. Mais quand vous entrez dans le temple, il n'y a pas de colonnes.
il y a seulement Jacques et Boaz. Mais ici, il y a des colonnes. Vous savez pourquoi? Parce que dans le temple, il est seul. Temple, ça la pose à ma colonne, et belé, te prends un bazar et mon colonne. Mais ici, dans la maison de centre de Liban, il a besoin de colonnes. Parce que ici, la forêt de Liban, c'est la royauté. Au Christ pour régner, parce qu'il sera dans la maison du forêt de Liban, dans le règne millénaire. Il ne sera pas seul, il sera avec des colonnes. Celui qui vaincra sera des colonnes dans la maison. C'est-à-dire que toutes ces constructions ici, ça parlait du plan de la rétablissement. Bon, écoutez, prends ma casse. C'est-à-dire, en réalité, Salomon seul qui construit les temples, les palais, la maison de la forêt de Liban, qui a des portiques, et la fille de Pharaon qui a sa maison, c'est le seul Salomon qui est l'époux. Vous voyez? Il est l'époux, il est le juge, il est le roi, il est sacrificateur. Un seul Salomon. Vous voyez qui t'a? Attends. Dieu dit ceci. Faisons l'homme à notre image. Où était l'homme? Tantier. Dieu descend, il dessine la poussière de la terre. Donc l'homme, c'est le fils de la terre. C'est le fils de l'homme, la terre. Dieu descend, il souffle. L'homme, c'est le fils de Dieu. Donc Adam est fils de l'homme parce qu'il est tiré de la terre. Il est fils de Dieu parce qu'il y a une partie de Dieu dans lui. Et quand Adam s'est rendu, Dieu dit dominé, il est roi. Il est à la fois l'homme, Dieu, roi. Mais ce sont des maisons de construction. C'est-à-dire qu'ici, Salomon construit le temple, il construit le palais, il construit le palais. Parce que toutes, c'était ses portions. Tout ça où? Dans Sion. Au moins, vous avez porté qui était. Et vous savez, regardez. Tout ça, c'est où? Dans Sion. Ce qu'il a commis, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. C'est-à-dire que tous ces plans de la construction ne se font pas ailleurs, mais c'est à toi. Amen. J'aime pas raisonner, j'aime pas raisonner. Apocalypse 21. J'aime pas raisonner. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21. Après évangéliste, cherchons ce verset-là parce que ma tradition ici, cette Bible, c'est un peu lent. Apocalypse chapitre 21. Papa, prenez le verset. Verset 9. Allons-y. Le verset 9. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le pouce. Je te montrerai qui? L'épouse. L'épouse? La femme de l'agneau. Elle n'est plus fiancée. C'est Seigneur, ce qu'on est comprend. Quand vous papa, prenez Apocalypse 19, 7, 9. Tenez pas avant là. Apocalypse 19, verset 7, 9. Il est écrit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un vêtement. Voilà, ça c'est la préparation du festin. Mais quand est-ce qu'on a commencé la préparation? Deuxième Corinthiens, chapitre 11, verset 2, 3. Allons-y. Deuxième Corinthiens, chapitre 11. Commencez par le verset 3 rapidement. Il est écrit: et je sais que cet homme, si c'est fui dans son corps. Non, deuxième Corinthiens, chapitre 11. Deuxième Corinthiens, chapitre 11. Toutefois, de même que les serpents séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Oui. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Commencez par le verset 10. Par le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé en un seul. Donc les fiançailles, c'est maintenant au temps de l'église où le ministère est en train de fiancer. Donc fiancé veut dire qu'on bannissalibala là. Donc quand je prêche, je dois montrer Jésus-Christ comme l'époux. Et le ministère, c'est comme l'ami de l'époux. Qui doit commencer les fiançailles? Papi, et le bogey? Oh, tu l'as assez sauté avant. Maintenant, le route matin, il y a le bogey. Non, après, ça va explication, il y a sinon, après, ça va faire. Mais maintenant, donc,
Le ministère, c'est l'ami de l'époux qui est en train de préparer les gens. Maintenant, attends. Maintenant, quand l'époux est enlevé, Jean, qu'est-ce qu'on dit à Jean? Viens voir, je te montrerai. Il me transporta en esprit sur les grandes et hautes montagnes. Oui. Et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel. Évangéliste, mais on a les gens de voir l'épouse. Mais quand il vient, il voit qui? La ville. C'est que cette épouse-là, c'était la ville. Amen. Exactement, ça veut dire que Jésus-Christ a tenté. Et à l'éniage Gabriel, tant à l'oba, d'accord, on s'est venu ici. Exactement, à l'éniage Gabriel, il y a aussi maman, sauf tout on a été ici, quand moi, il y a un mot, il y a c'est nous qui sommes cette construction. Alors maintenant, quand il finit, quand Salomon construit Sion au nord, il y a une brèche, bien que nous pouvons avoir toutes les explications du monde, mais reconnaître le vide qui est à nous. Et avoir besoin que le Seigneur construise nos cœurs. Il y a des fois, nous sommes étonnés, nous sommes dans la retraite. Tu jeûnes, tu pries, mais tu rentres, moi, la salle, car, oui, quand nous avons remplacé, tu es venu, 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 tu es venu. C'est ça le cœur de l'homme. Oui, il y a des vides dans nous. Et ce vide-là mérite à ce que David commence la construction. Quand il commence la construction, le fils va terminer la construction. Une fois que la construction est finie, papa, le verset là, dans les gars qui ont mis, quand je l'ai médité, la brèche. Au moment de l'autre arbre, n'est-ce que comme une amour terre à terre. C'est ça que dans les parvis, il y a le lieu tressé. Le lieu tressé, c'est le ciel. Le parvis, c'est la terre. Il y a la différence. Qui peut entrer dans le lieu tressé? Personne. À part le souverain sacrificateur qui doit aller et sortir. Mais nous, nous n'avons pas l'accès. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas entrer dans le ciel parce qu'il y a la brèche. Mais quand il meurt à la croix de Golgotha, les voiles se déchirent. Mais qui est allé au ciel? Personne. Même la sœur Marie voulait toucher l'arbre de vie. Tu ne me touches pas parce que je ne suis pas encore monté chez le Père. Parce que l'arbre de vie, c'était Jésus-Christ. Quand il est ressuscité, Marie voulait le toucher. Tu ne me touches pas parce que l'arbre de Dieu le touchera quand nous serons au ciel. Bien que nous sommes sauvés, mais il y a encore la brèche. Mais nous l'attendons. Quand il reviendra, c'est-à-dire, mille ont été construits, nous les verrons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous m'arrivons que moi, j'expliquais tant pour parler, si bam, il fera les intérêts. Comme ça, la spécialité est à l'eau. Parce que je voulais vous expliquer. Alors, en un mot, je vais dire que c'est Sion que nous avons vu. L'amour de David. Il ne devait pas prendre ça comme ça. Il faut qu'il combatte l'aveuglement, l'infirmité. Chacun de nous doit être conscient de tout obstacle de sa vie qui empêche David de continuer l'œuvre. Il y a des obstacles, oui, nous en avons. L'aveuglement voulu par la nature humaine, l'aveuglement voulu par les diables. Il y a aussi l'infirmité, parce que ce sont des obstacles qui étaient dans ce. Et quand David entre, il commence la construction. Je veux que Dieu construise mon cœur, non comme je veux, mais comme lui veut. Parce que mon cœur, c'est un abîme, je vous dis des choses vraies. Tu peux prier, jeûner, mais ce qui, si tu es conscient, tu réalises ce qui sort dans ton cœur, tu ne croiras pas que c'est toi qui as fait ça. Amen. Toujours capé. Et on est dans ma notée à Dieu. Bon, j'ai dit, Sion, David a pris l'air, on continue à s'aimer. On continue à Sion, mais Sion est comme un combat spirituel, j'ai dit. On a besoin de tout manier, les autres, on a invité, ma vie. David a eu un aboyé, parce que, n'a qu'à tout, mais tout, mais ça. N'a pas sa vie, tout simplement, on t'a raté. Bien que, quand tu me sois malheureux, on s'en remonte à l'animal. Écoutez-moi très bien. Quand un païen pêche, il n'y a pas un combat dans lui. Les prostituées qui sont là-bas, elles n'ont pas la condamnation. Pour elles, c'est... Mais quand un enfant de Dieu pêche, c'est-à-dire qu'il y a une lutte entre l'aveuglement, entre l'infirmité qui est d'action et la parole qui vient.
Maintenant, David doit vaincre. Il doit vaincre comment? Donc, tu as un verset, mon gata, balobango te. Maintenant, la mona que l'on m'envoie. Oh, David a dit qu'il avait dit, bon, bien qu'il y a des aveugles là et les boiteux, mais je vais entrer. Il a indiqué le lieu d'entrée. Il y a eu un délipo avec la Sion. Voilà, j'ai dit la respect. Il a indiqué où est-ce qu'on peut entrer dans la Sion, bien qu'il y a des aveugles, bien qu'il y a des boiteux. C'est David a quoi tu en as dit. Ou comme a dit 30 ans, on a toujours les petits. On a 20 ans, on soit dans la gaga. On a 30 ans, on a toujours notre maraquine. Il faut que David aurait dit, bon, nous voulons entrer dans Sion, mais il indique où est-ce qu'on va entrer dans Sion. Qui l'a enseigné? Ceux qui avaient déjà à l'intérieur qui ont dit que David, il faut entrer par ici. Ou bien lui bien qu'il était à l'extérieur, lui, il voyait aussi l'intérieur. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut être à l'intérieur et à l'extérieur. Quelqu'un qui dit, nous étions dans la maison de l'aîné quand le vent a soufflé à l'Orient. Comment lui était à l'intérieur, mais il voyait le vent à l'Orient. Et qui peut voir le vent? Comprendre même que le vent vient de l'Orient. C'est qu'il était à l'intérieur et à l'extérieur. Le seul qui connaît mes faiblesses. Bien qu'il n'est pas dans moi, il est au ciel, mais il est aussi dans moi. Il peut indiquer où est-ce que la parole peut venir pour trouver la solution à ma vie. Je veux qu'il construise dans moi. Est-ce que vous croyez que si Dieu a aimé Sion, ce n'est pas par mes slogans, mais c'est pour mettre sa loyauté? Donc quand les démons marchent, ils voient Sion, non, comment on a été, parce que c'est l'habitation de Dieu. Mais cette habitation ne peut pas se faire s'il ne construit pas. Il faut que Dieu construise le vide dans mon cœur. Bien que je suis, tu prêches bien, mais il y a toujours le vide. Il faut que Dieu construise. Nous devons être conscients de ce vide-là. Parce que la présence de David, quand il vient, il construit Sion. Il faut que. Il faut que les gens disent que Sion, c'est la gloire. Il faut que les gens voient. Mais il y a un chemin qui a amené que ce Sion-là devienne la capitale de la gloire. Il faut que la parole construise dans nous. Tu dois examiner ton cœur. Parce que moi, je crois, quand Tamar attendait la promesse, elle attendait Judas. Et quand Judas arriva, Tamar a rasé le terre. Mais l'enfant qu'elle a reçu est entré dans la généalogie royale. C'est-à-dire que, tu sais, quand Judas est venu vers Tamar, il a laissé la semence. Il s'en alla, n'est-ce pas? Il s'en alla. Mais il a envoyé les chevaux. Pourquoi il n'avait pas envoyé l'agneau? Il a envoyé les chevaux, pourquoi? L'expiation. Parce que les chevaux doivent faire l'expiation. Et quand on vient, on trouve que Tamar Angowana qui avait la grossesse, moyens à la condamner à thé. C'est que son côté a une maison à l'Iba place à jugement. Elle est déjà justifiée. Mais parce qu'il y avait l'intimité entre elle et Judas. Voilà pourquoi elle peut entrer dans la gloire. C'est-à-dire que toutes ces maisons-là, c'était dans ta main. Quand on venait pour la juger, elle sort de cible. Oh, pardon du péché. Il faut qu'on t'en accueille. Et dans la généalogie, moi, je suis dans mon côté. Il y a un côté. Ngolou. Très bien. Comment ça, ma coquille, qu'on soit moi, dans moi, sur yo, à côté d'un voie normale, t'es dans l'Ibala, mais moi, dans la Yende, à côté dans la généalogie, à mon conzi. C'est la grâce. La grâce dépasse la campagne. Et quand les espions sont allés à Jéricho, moi je croyais qu'ils sont allés explorer, mais c'était pour choisir une sœur, Rahab. Et Rahab accepte le message, on ne s'arrête pas là-bas. Elle ressort le pardon du péché, curieusement dans la généalogie de Judas, on voit à côté de Niaba la Judas. C'est qu'évangile, et bon, ben, qu'il n'y a pas comme à demeurer à
David se lève le soir. David se lève le soir. Soir au bateau. Balala ramène cet éléphant. David se réveille le soir. Il voit la femme d'autrui. Bathsheba. Il dit qu'en salité, bon, mais moi, la minute, la salon. C'est que Bathsheba n'a pas continué à voir. La grâce nous est tombée. Mais si nous pouvons faire confiance à ce Dieu-là, de continuer l'œuvre dans nous, on comprendra pourquoi il nous a sauvés. Il ne m'a pas sauvé seulement pour que je reste ici. Il ne m'a pas sauvé pas seulement pour que je devienne qui que je sois. Mais il m'a sauvé parce qu'il y a encore de grandes choses qu'il a préparées pour moi. Voilà pourquoi il a dit, tu as fait de mes royaumes et des sacrificateurs qui régneront. Dans la maison de Dieu, nous serons là. Dans le palais, nous serons là. Quand il sera assis dans le palais de Juda, nous serons là. Et le monde sera réellement qui nous a aimés. C'est-à-dire, toutes ces constructions dans Sion, c'est ce que l'évangile doit faire dans nos vies. Tu n'es pas sauvé. Voilà pourquoi si tu regrettes parce que tu n'as pas l'argent, tu ne comprends pas l'amour de Dieu. Bien aimé, Paul dit que l'amour de Dieu dépasse tout ce que nous cherchons sur cette terre. Il m'a sauvé. Il m'a choisi. Il m'a aimé parce qu'il y a de grandes choses qu'il a préparées pour ma vie. Je veux que ces paroles vous accordent la consolation devant les épreuves et les difficultés. Comprendre qu'il m'a sauvé pour de grandes choses. Il m'a sauvé pour construire en moi son royaume. Écoutez, quand les fous de Gadara voulaient suivre Jésus, je m'arrête là. Jésus a dit reste. Pourquoi? Parce que le voyage qu'il a fait, il a tranquillisé la tempête. Il s'endormait dans la barque. Tout ce qu'il a fait, l'explication, c'est le fou des cadavres. Et si les gens viennent voir comment Jésus-Christ est venu sur cette terre, moi je suis l'explication qu'il est passé par. Donc l'église doit être l'explication que Christ est passé par. Et toutes ces constructions-là commencent par Milo. Je veux que Dieu construise tout ce qui est encore faiblesse dans ma vie, qui me donne sa forme, afin que sa gloire soit manifestée dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Levez-vous s'il vous plaît. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Et remercier le Seigneur pour le message qu'il nous a donné. Et prier à ce que Dieu nous fortifie encore dans sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Prions. Nous avons besoin de ta grâce, Jésus. Fortifie-nous, console-nous. Console-nous, Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta grâce. Fais-nous voir ta bonté. Fais-nous voir ta puissance. Il y a encore des vides dans nos cœurs, Jésus. Il y a encore des vallées dans nos cœurs. Il y a encore la pile, il y a encore l'obscurité, il y a encore l'infirmité. Seigneur, connais nos infirmités. Comble nos vides. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Tu sais que sans toi, nous sommes rien. Nous voulons que ta grâce nous accorde cette fortune. Au nom. Thank you.